Salut les amis, vous êtes sur le NYSAT Show. Aujourd'hui on se retrouve sur Need for Speed Payback afin de voir la customisation de la petite Aston Martin DB5. On va voir pour toutes les catégories à part la catégorie mission, parce que la catégorie mission, il n'y a pas de super projet. Et comme ce sont des voitures qui étaient dans l'ancien DLC, donc la voiture, elle a un super projet. Celle-ci est la Transam, Pontiac Transam Firebird. Donc, ces deux-ci avaient le super projet. J'ai déjà fait la customisation pour le drift, le drift, la course, je crois. C'est tout, hein. Ouais, le drift et la course. J'avais déjà fait la customisation, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, on va faire le tout terrain et le drag. Donc c'est parti. Déjà là, on va faire le petit super projet. Voilà le toit. Oui. Non. On teinte les vitres. Le capot. Est-ce vraiment nécessaire de mettre cela ainsi? On va mettre ça comme ça. Ensuite, on va mettre celui-là. On va mettre ça. L'aileron, la lame de pare-choc. Celui d'origine est pas trop mal, hein. Je l'ai laissé. Non. On va mettre ça. Ça donne un petit style à la voiture. Ensuite, je suis en train de faire ça là, mais je ne vois absolument rien à cause d'un faux jour. Les pneus. Voilà. Étrier. On a des jaunes. Disque. Ok. Voilà, jante. Martin. Non. Je sais quelle chose je vais mettre, mais je sais pas où est-ce qu'elles sont. Non. C'est pas trop mal ça aussi. Le gars dit c'est moi qui pas bon.
Voilà. Alors. Alors, bordel. Voilà. Ensuite, j'ai placé. Y'a rien. Y'a rien à mettre. Malheureusement. Le truc, c'est que je n'aime pas ce que ça donne à l'arrière, en fait. Et j'ai pas envie de mettre la même chose qu'à l'avant. Oh, oh, ça fait... Tranquille. Ensuite... je vois pas trop de différence. On va mettre celui-là. J'ai oublié de changer la jante. Je sais que c'est pas loin. Merci. Ensuite, couvert. J'ai appelé qu'au 4. Ensuite, ça. Juste du doré. Ok. Et je vais mettre du brillant. Non. Satiné. Ensuite, sort de là. Oh, est-ce que j'ai fait la... Ouais. Alors, non. Ensuite... Je crois que j'avais changé les pneus, non? Ah ouais, les disques et tout ça, j'avais changé, j'avais oublié. Un et l'autre... Et... Ah putain. Étrier. J'aurais peut-être pas dû mettre du jaune, mais bon. On s'en fout. Ah putain. Allez. Les pneus. Je crois que c'est ça, mais... Comme je ne vois pas bien, je crois que c'était ça. Ensuite, le pare-choc arrière. Wesh. Ensuite, ça. Il y en a quand même un. Bon, l'échappement, il est à l'avant, j'ai vu ça. J'aime bien avoir ce petit style là. En toute discrétion. On s'en fout du capot. Le long que je n'aime pas trop, comme ça. Ouais, j'aime celui-là.
soft time. Bon, on peut pas rabaisser. On met des accessoires. Et le néon. Que du fixe. Voilà. Bon, ensuite, les vinyles. S'il y en a des intéressants. Il fait bien ressortir la voiture. Ah, c'est pas trop mal comme ça. En tout cas, le premier, je le valide. Ça aussi, c'est pas mal. Ça, ça serait une voiture abandonnée. Pas trop mauvais. Pas mal. Ouais, ça lui va plutôt bien. Il y a quand même de beaux vinyles pour cette voiture. Mais je sais quel vinyle je vais lui mettre. C'est parmi les premiers. Il y a celui-là qui est pas trop mal, simple, propre, et ça fait bien ressortir la voiture. Sinon, il y avait un plus loin qui m'intéressait pas. Pas mal de blanc. Pas ça. Ah voilà. Celui-là qui est pas trop mal non plus. Ça fait mieux ressortir que le noir. Je prends celui-là. Ok. Ensuite, passons à la customisation de celle-ci. En mode tout terrain. Super projet. Et oui. Regarde-moi ça, ces turbos imposants. Attends, est-ce que ça, ce sont des turbos? Je vois même pas. Bon, ça, c'est obligé. Ben oui, un tout terrain. Faut qu'il y ait le look maraudeur. Voilà. Voilà. J'arrive pas trop bien à voir ce que c'est. Mais bon, c'est pas grave. Capot. Voilà.
Voilà. C'est trop... Voilà. À la rigueur, c'est comme ça, ouais. On va mettre celui-là. Parce que l'autre, là, avec la tuque qui remonte trop haut, c'est ça le problème. Et en tout cas, c'était ça mon problème. Oh non. On va mettre ça. Tiens, j'avais pas fait le... l'effort pour l'autre. Wesh. My God. Non. Par contre, je vais mettre ça. On va mettre ça. Pas grave, déjà été les échanges. Juste pour ça, je vais les mettre. Voilà, ensuite des pneus. Je pense que c'est l'histoire de Toyota RS. Étrier, jante, pneus. Ouais. Intéressant. Je vais mettre ça. Ça a plus de gueule pour un tout terrain. Wesh. Étrier. Wesh. Ensuite disque. Ouais, négro. Ensuite, c'est suivant. Pneu. Ouais. Ensuite, jante. Mais vas-y, bordel, tu prends du temps. Donc c'est pour ça. Ensuite. Bam 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 bam. Je crois pas que j'ai à dépasser ça. Ah mais non.
Ça va être bien dépassé. Ok. Allez. Ok. Alors. Ok, et ça. Ensuite, ouais. Et là, on fait les disques. Ouais. On sort. Non. Il n'en peut pas finir, bordel. J'ai laissé ça par chocolat. Ça jure bien avec l'avant. Ah non. Voilà. Voilà. Ensuite. Voilà, calme. Non, je peux faire mettre ça. Bon, après, c'est pas sûr qu'on en voit les femmes. D'abord, histoire de différencier un petit peu. Voilà. Ah, pour une fois, j'ai le même son. Voilà. Ouais. Voilà, je crois pas que j'ai oublié quelque chose, non. Voilà. Et voilà. Ensuite, vinyle. Ah, je peux mettre ce vinyle ici. Qui me plaisait. Et voilà. Et voilà, les amis. À vous de me dire ce que vous pensez de ce petit véhicule. Pour ma part, ça sera tout pour cette petite vidéo, les amis. C'était Noisette pour vous servir. Vous étiez sur le Noisette Show. Et j'espère que cette petite vidéo de, sur la customisation du, de la Aston Martin. Est-ce que c'est Aston Martin, je crois? Oh, je sais plus. Ouais, c'est bien Aston Martin. Sur la customisation de la petite Aston Martin DB5. Si vous avez aimé, petit souci, excusez-moi,
si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Commentez. De toute façon, commentez. Ça me fait plaisir de vous lire vos commentaires, de savoir ce que vous pensez. Donc, allez, n'hésitez pas à commenter. Pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, pour les nouveaux qui sont de passage, abonnez-vous. Abonnez-vous. Like, abonnez-vous, activez la notification afin d'être averti de la sortie de nos prochaines vidéos sur cette petite chaîne et partagez, ça fait toujours plaisir pour d'autres personnes de voir, de pouvoir se joindre à nous, ça fait toujours plaisir de voir de nouveaux arrivants sur cette petite chaîne, les amis. Là, nous sommes bientôt à 70, ça fait super plaisir de voir ça. Faut continuer comme ça, les gars, continuez, venez. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Et un tout petit détail, il paraîtrait que toutes les voitures qui étaient en voiture abandonnée avant le DLC qui est effectif depuis le mois dernier, donc depuis 4 semaines. Ouais, ça fait un mois. Non, presque un mois. Depuis presque un mois, donc ça fait 3 ou 4 semaines, 3 semaines je crois. 3-4 semaines. Ouais, 4 semaines, ça fait 4 semaines hein, quand même. Parce que c'est la quatrième voiture abandonnée. Donc, depuis 4 semaines, il y a... Depuis la DLC du 19, on va arrondir à cela. Depuis la DLC du 19, toutes les voitures abandonnées qui étaient avant, soit la BMW E30 et la Mazda RX-7 et compagnie, Elles sont disponibles en concession. Donc allez-y, n'hésitez pas. Allez, il paraîtrait. Donc moi je ne peux pas vérifier, je ne peux pas vous prouver cela. Parce que comme j'ai été les récupérer, donc pour moi d'office, elles sont dans la concession. Donc là, je ne peux pas vous certifier. Donc c'est pour ça que je vous le dis, il paraîtrait que. Donc, pour ceux qui ne les ont pas, allez vérifier s'il vous plaît et puis mettez un commentaire, dites si c'est vrai ou pas, parce que moi spécialement je peux pas vérifier pour vous. Franchement je peux pas encore le vérifier pour vous, donc je peux rien vous dire à ce niveau. Donc n'hésitez pas à le faire, les amis. Pour ma part, ça sera tout pour cette petite vidéo. Je vous laisse sur ces petits mots et n'hésitez pas à aller faire les glitches pour pouvoir faire de l'argent. C'est très important, ça vous permettra d'avoir des pièces et également d'avoir de l'argent pour pouvoir acheter les véhicules que vous désirez. Je vous remercie, c'était NoiSat pour vous servir. Vous étiez sur le NoiSat. Ciao! Allez, je vous laisse, on se capte dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao!